Genre, franchement, regarde comment tu coupes le pain. Quoi? Bah, tu mets des miettes partout, là. On a une planche à pain exprès. Tu peux pas faire attention? Ah bon, je ramasserai. Non, tu le ramasseras pas. Et en plus, tu fais des trous dans le beurre. C'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Attends, on a un couteau pour le beurre, une cuillère pour la confiture. Bah non, après tu mets de la confiture sur le beurre et du beurre dans la confiture. Regarde! Pff, c'est dégueulasse! Ouh. Pas de couilles aujourd'hui. Mais t'es vraiment un gros porc! Regarde! Mais t'as aucune éducation ou quoi? En plus tu fais du bruit, mais franchement loulou! Ça vous convient comme ça, Duchesse? Je fais les courses! Super, qu'est-ce que t'as acheté alors? Des super trucs, regarde. Mais c'est ça? Quoi? Bah, c'est pas les bons produits, ça? Ah bon? Bah non! Bah, c'est marqué sur la liste, regarde. Oui, mais loulou, c'est une vieille liste! Ah bah, moi, je peux pas savoir, c'était sur le frigo! Non, impossible, c'est moi qui l'ai faite la liste. Ah ouais, mais attends, t'es marrante. Excusez-moi. Bah, attends, j'ai le truc. Bon, ça, c'est une vieille ou pas? Ouais. Ça aussi. Ça non plus. Ça. Voilà, c'est celle-là. Alors, tu retournes maintenant. Je vais pas retourner. Ah, écoute, loulou, t'as fait une erreur, tu retournes. Mais y'a du monde là-bas. Non, oui, tu retournes, allez. Bon, et puis dépêche-toi parce qu'on va pas bouffer à 10h. Hein. Allez. Loulou, tu sais que je t'ai préparé un super petit plat? Ah oui? Oui. Oh là, dis donc. T'as vu? Oh ouais, super. Tu hein. sais que ça a mijoté toute la matinée, ça? C'est vrai. Je me suis levée tôt ce matin pour aller au marché chercher des légumes frais que j'ai coupés en dés comme ça pour mon loulou gourmand. Merci, ça a l'air super bon, les dents. Merci, loulou. Mieux qu'au resto, hein? Cela dit, au resto, c'est vachement cher pour pas grand-chose, des fois. Parce que là, ça m'a l'air super bon. Ça va être froid là. Mais regarde. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Il paraît que 20% des Français font l'amour dans leur cuisine. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre, des crêpes? Qu'est-ce que tu fous? Elle est pas là, la femme de ménage? Non, elle est tombée malade. Elle peut pas venir. Où est la vaisselle? Bah, il est en panne. Ah bon? T'as appelé le service après-vente? Bah oui, mais le réparateur, il m'a appelé, il peut pas venir, sa voiture est tombée en panne. C'est génial, ça. C'est la loi des séries. Bah bon, pourquoi tu dis ça? Bah, si ça se trouve, le métro qui va amener ta mère, il va tomber en panne. Mmh. Ah ouais? Mais merde. J'ai toujours rêvé, hein. Eh oui, loulou. Ouais, elle arrive. Ouais, c'est bon, ça va. Tu veux pas m'attraper le saladier là-haut, s'il te plaît? Oui. Merci, loulou. Jean, excuse-moi, j'ai besoin de coupe. Tu peux les attraper là-haut dans le placard? Oui. L'escabeau là? Ah ben justement, tu veux pas aller chercher dans le placard? Consommer avant le... C'est périmé ce truc là. Ça. Ça aussi, mais... Mais n'importe quoi. Ça aussi, mais j'ai une brocante là-dedans, quoi. C'est dégueulasse.
de nous empoisonner, hein. Ta mère vient manger ce soir, alors je lui prépare une petite quiche. Oh bah c'est gentil ça, Loulou, dis donc. C'est mignon. Ouais, bah voilà. Voilà. Ok. Très bien. Bah, tu vas où, la loulou? Je vais où? Je t'ai aidé pour les courses, je vais voir mes potes. Oui, mais loulou, faut ranger les courses. Mais pourquoi les ranger alors qu'on va les ressortir? Alors ça, c'est l'argument débile des mecs. Quoi? Pourquoi ranger alors qu'on va sortir? Pourquoi repasser alors qu'on va froisser? Pourquoi il faut nettoyer alors qu'on va salir? Mais ça, pourquoi franchement... discuter alors que ça ne va rien changer? Je vais voir mes potes, point. C'est tout. Ça, c'est du mec. Autoritaire, ferme, ça, c'est du mec. C'est mon mec. Moi, je vais ranger les courses. Alors? Bah, c'est très joli. Non, c'est pas ça. Tu ne vois pas la différence? Non. Tu ne sens pas la différence? Mais qu'est-ce que je dois sentir, là? La spécialiste du Feng Shui est passée cet après-midi. Mmh. Elle a complètement repensé l'organisation et la mise en place de la cuisine. Mmh. Ça se voit, quand même. Ah bah oui, bien sûr, le vase a changé de place, c'est sûr, ça se voit. Loulou, ouais. Tu ne sens pas les bonnes vibrations qui émanent de la pièce, là? Oh, ouais. Hein? Si, bien sûr, ouais. Alors, ouais. Concrètement, c'est quoi la différence? Je sais pas, 5000 balles? 5000 balles? Mmh. 8000 balles, Loulou? 8000 balles? Mais toi, c'est incroyable, faut que tu remportes tout à l'argent, c'est pas possible. Tiens, je te rends ton chéquier, c'est bon, la prochaine fois, je paierai moi-même. Quoi, mon chéquier? Qu'est-ce que tu fous de mon chéquier, toi? Oh, viens voir, là, 8000 balles! C'est 8009 en plus, c'est pas 8000 balles! Ah non, mais je suis partant, on va tourner des bars, tu rigoles. C'est quand? Samedi? Attends, samedi, c'est la merde. Non, je peux pas, samedi, il y a la belle-mère qui vient bouffer, là. Attends. Non, attends. C'est pas confirmé. Attends, je vais me débrouiller. Attends, je me débrouille. Je te rappelle. Ça roule. Ciao. Comment je vais dire ça, moi? Alex! J'ai une réunion super importante samedi soir au bureau, là. Oh, ça va pas être possible, ça, hein? De manière forte. Bon, écoute, c'est pour le bureau, hein? C'est très important. Encore, ça serait pour faire la nouba avec les potes, je dis pas. Mais là, c'est pour le travail, alors merde! Samedi soir? Oui. Bah ok, pas de problème, alors. Cool. Pas compliqué. Oui, d'accord. Ok, bah je te fais des gros bisous, maman. À samedi. Ciao, ciao, bisous. Oui, tu voulais me dire un truc? Du tout, non. Qu'est-ce qui se passe au chaud? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Fernand, il est mort. Le faire dans ton travail? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas, je crois qu'il a eu une crise cardiaque, il s'est éteint comme ça d'un coup, mon Dieu. Oh, le pauvre. Pourtant, il était pas vieux. Oh, bah tu sais, 5 ans pour un poisson rouge, c'est vieux quand même, hein. Un poisson rouge? Attends, un poisson rouge? Fernand, c'est un poisson rouge? Ça fait des semaines que tu me parles d'un poisson rouge? Bah oui. T'es pas bien, ma pauvre fille, hein? T'as un problème, hein? T'es gelée, hein? Fais attention, là, hein? Attends, évidemment, t'es pas les bêtes! Oula! Vas-y, enlève ta culotte. Il y a jeune interrogé qui va arriver, là. Mais on s'en fout, ils ne verront pas, là. Mais oui, mais si ça se voit pas, quel intérêt? Mais moi, je le saurais, ça va m'exciter, moi, tu vois. Allez, allez, va. Ah, ça va prendre un gros cochon, toi. Ouais, mais t'es bien, ça. Vas-y. Voilà.
fait ce que je veux, moi. Ce que je veux. Et c'est quoi ça là ? Oh, viens. Il y a là. Qu'est-ce que tu dis ? Un article dans Femme Plus sur la réalisation des rêves les plus fous. Merde, c'est une gonzesse ça. Tu vois, moi j'aimerais avoir 50 nouvelles paires de chaussures. Ouais. Un appartement gigantesque. Avec, tu sais, des dorures comme ça sur le plafond. Ah. Et toi ? Moi, ça serait une décapotable, moi. Super caisse, tu vois. Ouais. Puis des costards coupés sur mesure, tu vois, nickel. Mmh. Une grande baraque avec une plage privée, ouais. Ouais. Ah. On mangerait des langoustes à volonté, du caviar à la louche. Ouais. Ah, ouais. Puis j'aurais une grande cave à vin, tu vois. Mmh. Ben, exceptionnel. Mmh. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et une salle de projection privée. On ferait le tour du monde en voilier. Ouais. Ah ouais. Et moi, je serais champion du monde de Formule 1. Ouais. T'as descendu les poubelles ? Putain, pour péter l'ambiance, quoi. Franchement. Ah ouais. Non, 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 Loulou, voilà. Tu sais très bien que les couteaux, c'est toujours la lame vers le haut. Pas possible ça, et les assiettes dans le bon sens, sinon ça va pas. Ah oui, parce que le lave-vaisselle ne lave que d'un côté, c'est ça. Il lave ou c'est sale ? Oui, bien sûr, ouais. Et sur un couteau, il lave en fait que la lame, pas le manche ? Bah oui. Ok, ouais. Et si je mets une assiette propre, il la lave ou pas ? Continue, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves là, hein ! Mais j'essaie simplement de comprendre ton univers, mon amour. Ouais, ouais, mais t'as fait à manger ? Bah oui, pourquoi ça te plaît pas ? Ah non, mais c'est pas ça, mais moi j'avais prévu t'emmener au restaurant ce soir là, j'ai réservé. Ah bon ? Bah oui. Oh bah c'est pas grave, je vais me changer. Ok, ça te dérange pas ? Oh bah non, pas du tout, tu sais, on va le garder pour demain soir, c'est meilleur réchauffer ça, hein. Ah oui, mais attends, demain soir, moi j'ai une soirée foot là chez Loïc là. Je serai pas là, bah ouais. Ah. Oh bah c'est pas grave, je mangerai avec maman. Oui, on sera une soirée entre filles. Ok. Ça va pas, Loulou ? Hein ? Si, si, ça va. C'était trop pimenté ? Ah, pas du tout, je rigole, quoi. T'es sûr, hein, c'était pas trop fort ? Non, non, non. Tu me le dirais, hein, Loulou, hein ? Bien sûr que je te le dirai. T'as aimé, quand même ? J'ai adoré. Ouais ? Il faudrait lui faire ça à ta mère, tu sais. Ah ouais, d'accord, t'as pas aimé, quoi. Ah si, j'ai aimé, je te promets, j'ai aimé. Tu me le dirais, hein, bien sûr, je te le dirai. Ouais, pas de problème. Jean ? Jean ? Oh là
Ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous a préparé, là, disons. Avec le petit menu, c'est Mimi, ça. Ouais. Entrée farandole d'huître. Mmh, c'est aphrodisiaque, ça. Hein. Plat scalopine de veau au gingembre. Ça aussi, c'est aphrodisiaque. Et dessert poire aux épices. Ouais. T'es coquine, toi. Mmh, oui, je suis coquine. Disons que je t'ai pas dit, après le repas, là, j'ai rendez-vous avec des potes dans un bar. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Bon, pas du c'est tout. Cool, parce que... Tiens, toi... plan B. J'ai quoi, ça? Escargot à l'ail, veau au flageolet, roquefort. Mmh. Et le dessert? C'est fromage ou dessert. Et ce soir, c'est fromage. Mmh. Comme ça, s'il y a une pétasse qui s'approche de toi, tu vois, c'est chelou. Voilà. C'est bon, Loulou? C'est prêt, le punch? Bah écoute, je crois, hein. Tu veux goûter? Ouais, je veux bien un petit peu. Ah. Mmh, c'est sucré, Loulou, hein. T'as mis du rhum? Bah oui, j'en ai mis du rhum. Ah, c'est super léger, on sent le fruit, là. Ah ouais, t'as mis du rhum, ça peut, ouais. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, tu vois, dans le, ouais. dans le punch. T'as trouvé l'équilibre entre le jus de fruit et l'alcool. Mmh. Mmh. Vas-y. Vas-y, je vais voir. Ah, alors? C'est léger encore, hein. C'est pas un problème, ça. Ouais. C'est pas un problème. Encore. C'est pas mal, hein. On s'approche. Mais manque de rhum. Ouais. Hein? Vous avez goûté? Oui. Non, pas de... Ah. De punch. Dans quel verre? Oui, celui-là. Alors, ça, c'est du bon punch. Mais oui! Mais oui, voilà. Mais ça, c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait. Mais c'est le vrai punch. Tu n'as pas trop d'alcool? Mmh. Pas trop d'alcool, c'est un équilibre parfait. Un équilibre parfait. Bien sûr. Mais il en reste encore un peu là, du punch. Voilà. On peut dire 6 ou 7 verres. Mais il en a pas assez, monsieur, les invités là. Non, on s'en fout, ils boivent de la bière. Arrête. Dis-moi si tu peux là. Je suis pas bien, moi là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Alors, sur un feu moyen vif, c'est quoi ça, un feu moyen vif? Un feu moyen vif fait réduire le jus de clémentine au 4/5. Réduire le 4/5 de quoi? Mais de quoi, du jus ou quoi? Mélanger le zeste, ah merde, le zeste. Mélanger le zeste de clémentine. Ok, ça c'est bon, ils sont au beurre. Putain, ça fond le beurre en plus, ça fond le beurre ramolli. Y incorporer l'ail, la coriandre, la chapelure, le jus. Mélanger la mignonnette, c'est quoi ce bordel de mignonnette là? Putain! Salut Lou, tu fais quoi là? Mais quoi, je fais quoi? Je te fais une surprise, tiens, pour faire plaisir, merde! Pas dur à voir! T'as les yeux fermés là, hein? Oui! Sûr? Oui! Ok. Tu triches pas, hein? Non! Attention! Wouh! C'est quoi? Bah attends, faut que tu devines! Oh mon amour, ton premier repas aux 8 ans, dis donc! Tu rigoles ou quoi? J'ai déjà fait des hamburgers et des pâtes! Non mais je veux dire, c'est ton premier repas cuisiné vraiment! Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Vas-y, goûte. Ok. La 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 la. Non. Non. C'est des calamars au sirop d'érable? Mais non, attends, avec ça. Attends, c'est. Des élastiques au pruneau? Arrête, là, ça va, non. Des pneus neige flambés à l'ananas? Mais t'es nul ou quoi là-haut? Ça, ce sont des escargots clémentines, ça. C'est sympa, hein. Bah, alors. Bah, tiens, goûte! Ah non, moi, j'ose pas, moi. Non, c'est pour ça que je voulais que tu goûtes avant, tu vois. Non, moi, ça, je supporte pas. Hein. C'est dégueulasse. Bon, va. Salut! Salut! J'ai eu les coups de fil? Ouais, il y a ta girafe qui a appelé pour un truc au bureau. Alec, j'aime pas que tu parles Isabelle comme ça, là. Tu sais, peut-être que tu te prives d'une grande amitié avec elle, hein. Tu te fous de moi, là? Quoi? Une amitié avec cette pétasse avec qui tu m'as trompée? Mais c'était une erreur, tu piges rien. Je pige rien? Oh bah dis donc, elle est bien bonne, celle-là. Mais attends, imagine, je serais trompé avec Martine. Parce que tu m'as trompé avec Martine.
Martine en plus. Mais non, c'est une supposition, Alex. Attends, elle te plaît bien. Mais n'importe quoi. Mais pourquoi tu m'en parles alors? Bon, ah, ok, on change d'exemple. Alors imagine avec Véro. Alors, Véro. Ah, parce que tu m'as trompé avec Véro. Mais j'ai jamais dit que j'allais coucher avec Véro. Bah si, tu viens de me le dire. Mais bon, non. Allez, c'est bon, j'ai ma mais, dose, ça attends, va. Attends, mais Alex. Je suis trop con, moi. Bah, imagine avec Philippe. Alors là, Philippe, attends, franchement. Hé, hey, Alex. J'ai organisé pour toi la journée cuisine porte ouverte. C'est une manière de te familiariser avec ton environnement au-delà de la chambre et du salon. Alors vas-y, tu peux jeter un coup d'œil, tu peux flirter, farfouiller. Tu verras, il y a mille et un trésors, des trucs que t'as même pas idée. Puis alors tu vas voir, tout fonctionne, c'est du solide. Voilà, je te laisse découvrir cet univers si nouveau pour toi. Bonne visite, bon courage. Ciao loulou. On fout, moi. Mais ne m'en parle pas, Jeannette, mais tous les mêmes, ils sont tous pareils. Mais Jean le premier, il est un égoïsme. Mais, alors là, je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais exactement. Non mais attends, mais ils ont de la chance de tomber sur des nanas comme nous. Des perles. Exactement. Jeannette, c'est connu, hein. Ils viennent de Mars, nous de Vénus. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, exactement. On n'a rien à voir. C'est des hommes, on est des femmes, ça n'a rien à voir. Voilà. Non mais tu sais, Jeannette, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut prendre son mal en patience. Exactement. Tiens, serre-moi du rouge, s'il te plaît. Ouais. Ou alors redevenir célibataire. Voilà. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais attends, mais je bosse autant que lui, je fais autant d'heures. Mais voilà, il croit que tout se fait tout seul. Voilà, exactement. Moi, je finis à 16h30, je suis épuisée, je rentre, il faut que je me tape le ménage. Voilà. La bouffe, exactement. Mettre la table. Bien sûr. Mais ce sont des mômes, Jeannette. J'en suis un enfant. Mais oui. Mais attends, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ah non, alors ça... Attends, bah, tu vas où? Je sors. Voilà, c'est exactement ce que je te disais. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces mecs? Je sais pas. Ah ouais, mais attends. Alex! Quoi? Il y a plus de produit vaisselle, là. Coucou, le produit vaisselle, il est là. Ah oui, je peux. Là. Ah, je l'ai pas vu. Bah oui. Ouais, mais il y a plus de gants. Alors, si, je peux pas. Les gants, ils sont là. Ouais, mais t'as déjà fait la vaisselle sans éponge, toi? Alors, l'éponge, elle est là, faut juste la rincer. Bah ouais, mais attends, c'est... Quoi? Bah ouais, mais y a plus de... Y a plus d'excuses, Loulou, t'as tout. T'as l'éponge, t'as les gants, t'as le produit vaisselle, t'as toute la cuisine pour toi tout seul. Allez, vas-y, au boulot maintenant. Bon, alors Loulou, tu m'écoutes bien, je répète pas. Ouais. Casser les deux œufs et séparer le blanc du jaune. Merde, je les ai pas séparés. Non, mais attends, mais c'est pas grave, attends, c'est pas grave. Regarde, j'enlève le jaune. Bon, voilà. Ça commence bien. Voilà. Ensuite, après, c'est quoi? Voilà. Alors, monter les blancs en neige très ferme. Ok. Bah non. Quoi? Bah, c'est comme ça, regarde. Mais non, c'est comme ça monte mais là, non, ça, mais je peux le faire. Mais regarde, mais non, mais pas du tout, mais ça montera jamais comme ça, regarde, faut faire comme ça, Lulu. Ouais, bah, ce que je faisais, ah, attends. Ouais, je sais le faire, hein. Alors, versez les blancs peu à peu sur la préparation au chocolat et tournez délicatement. Oh, Jean, écoute, c'est la cata. Quoi? Bah, Loulou. Ah oui, ok. Les blancs. Alors, les blancs. Vas-y. Alors, là-dedans. Oui, bah oui. Mais ça va? Vas-y, tourne. Délicatement. Non. Mais non, mais là, regarde, tu fais de la bouillie, là. Non.
soulève-la doucement comme ça, par-dessous, voilà. Ouais. Comme ça, très bien. Ouais. Voilà, vas-y. Non. Vas-y, continue. Bon, après. Vas-y. Alors ? C'est dégueulasse. Quoi ? Tu fais n'importe quoi et c'est super bon. C'est vrai ? Goûte, c'est pas juste. C'est super bon, ça colle aux dents, c'est gras, c'est, mmh, oui, c'est extra. Ah ouais ? Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. 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 Qu'est-ce que je veux ? Loulou, tu peux venir 2 minutes, je voudrais te parler. Pas encore, ça va. Si, viens là 2 minutes, Loulou. Non, s'il te plaît, Alex, pas maintenant. Loulou ! Non, mais parler de quoi ? Allez. Ça va. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise ? Oui, j'ai envie d'avoir l'enfant avec toi, mais pas tout de suite, ça va ? Ta mère et moi, on se déteste, j'y peux rien, c'est comme ça sera toujours comme ça, de toute façon, quoi. Et effectivement, la nouvelle secrétaire de l'agence me drague, mais je ne ferai rien avec elle. Mais moi, je voulais juste savoir quel film on allait voir ce soir. Ah bon ? C'est qui la nouvelle réceptionniste, là ? J'en ai jamais parlé ? Non, jamais, non. Bon, rien, ça doit pas être important. Si, si, je crois que c'était très important. Non, monsieur, c'est une comme ça, non, c'est rien. Non, on se parle. Arrête, non, arrête, 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 arrête. Salut! Salut mon amour! Ça va? Et toi? Ça va. Ah, ça pue! Quoi, ça pue? Ah, y'a un truc qui refoule là! Quoi? Tu sens pas? Oh la vache! Oh, j'ai marché dans la merde! Ah, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Ah! Oh, ah, j'ai vomi! Oh, ça devait être un poney, ça, dis donc! Ah, dis donc! Oh, c'est mon cheveu! Attends, ah, faut que j'ai toi ça! Ah non, mais va dans la vaisselle, tu rigoles, ça pue! Rien, je nettoie! Ah, bah, je m'en fous, mais va dans la vaisselle! Oh, ça pue, c'est parfait! Ah oui, mais là... Oh là, c'est dégueulasse. Oh putain. Oh là là. Ah oh, putain. Ah oh. Bon, attends. Oui. Allez. Faut pas regarder ça. Je vais pas acheter ma pompe quand même. Je vais pas acheter mes pompes. Je vais acheter mes pompes. Ah, il y a un saut de pantalon ! Oh putain ! Hey, Jeannette, je vais être obligée de te laisser. Là, il y a Jean qui va arriver. Ouais. Puis j'ai rien fait à manger en plus. Ok. Je te rappelle. Je te fais des gros bisous. Salut Jeannette. Ciao. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi ? Salut! Salut mon amour, ça va? Ouais. Oh, toi, t'as passé la journée derrière les fourneaux, toi, non? Bah oui, qu'est-ce que tu veux, j'aime ça. Hein. Mmh. Tu sais que j'ai de la chance d'avoir un petit cordon bleu comme toi, moi. Je sais. Mmh. Et voilà. J'ai couillon quand même. Dis donc, Loulou! Comme j'ai passé toute la journée derrière les fourneaux, tu veux pas nettoyer un petit peu la cuisine? Je suis crevée, là. Ça te dérange pas? Aucun problème. C'est super vanné. Je te
te laisse mettre la table? Ouais. Super, j'attends dans le salon. Merci, mon amour. Jean? Ouais? Tu peux venir voir, s'il te plaît? Viens voir, j'ai un truc super rigolo pour faire la vaisselle. Ouais. Tu regardes? Ouais. J'ai vu ça dans un film, hein, regarde bien. Je prends l'assiette, je lave l'assiette, je lance l'assiette, je rattrape l'assiette, j'égoutte l'assiette, j'essuie l'assiette et je pose l'assiette. Et voilà! Ah, ouais. Moi, j'ai un truc plus marrant, moi. Ouais? Ouais. J'attrape Alex, je porte Alex, j'en chie Alex, j'embrasse Alex, j'emmène Alex. Aïe! Et je soigne Alex. Et voilà! Tu le fais exprès ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais les tasses, je te les mets sur le bar! Je viens de nettoyer, regarde, ça fait des traces de café! Oh, pardon, excuse-moi, mais il fallait bien que je ramène les tasses! Eh ben, tu les mets dans la vaisselle! C'est pas compliqué! Oh. Regarde, je me tape le ménage tous les jours! Wow. Oh, tu m'épuises. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? J'irai bien à la campagne, parce que j'ai besoin de. Moi, je peux pas, j'ai plein de boulot, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais je sais pas, t'as qu'à faire du shopping avec tes copains, c'est sympa ça! Hein? Oh, ok, mais. Tu me prêtes ta carte de crédit? Non. S'il te plaît. Non, non. Vas-y. Non! S'il te plaît. Non, Jean! Je te montre mes fesses. Non! Allez, ah. Non! Salut, Loulou! Salut! Ça va? Ça va. Oh là là, c'était sympa le dîner avec les filles. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et tu sais quoi? Magali, elle s'installe à Londres. Ah ouais? Excellent, hein? J'irais bien la voir, moi. Ça doit être chouette, Londres. Je suis sûre que c'est une belle ville. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Un pelle-patate. Tu vois bien que je t'appelle patate, ça, là, ici. Ah oui, de la rouille. Voilà, de la rouille. Comment la rouille arrive sur le pelle-patate? À cause de la vaisselle. Voilà! Combien de fois je t'ai dit que le pelle-patate n'a rien à foutre dans le lave-vaisselle, Alex? Merde, combien de fois? Jamais. D'habitude, c'est moi qui te le dis. Tu vois? Allez, j'y vais. C'est vrai, ça? Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que j'appelle Jeannette. Qu'est-ce que je fais, moi? Alex! Ça va, Loulou? Ouais. Bah, y a plus la mousse au chocolat? Je sais pas. C'est toi qui l'as mangé? Non. T'as pas mangé la mousse au chocolat? Non. T'as pas mangé la mousse au chocolat? Non, je n'ai pas mangé la mousse au chocolat, non. T'es sûr? Bah oui, je te dis oui. T'es sûr? T'as pas mangé la mousse au chocolat? Non, je l'ai pas mangée, Alex. T'as dû la manger hier soir, je sais pas. T'as non, dû... hier soir, on était au restaurant. Eh ben, avant-hier soir, ça arrive, ça. Non, je crois pas. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu n'as pas mangé la mousse au chocolat. Eh bien, je te dis dans les yeux, non, je n'ai pas mangé la mousse au chocolat. Voilà. Eh ben, alors là, tu me fais de la peine. Vraiment. T'es un pauvre type. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Tu veux que je fasse plaisir en me disant j'ai mangé la mousse au chocolat? Ben, alors, voilà, ok. Alors, donc, j'ai mangé la mousse... Ah, la mousse au chocolat! Ah oui, non, attends, alors oui, ah tu dis, ah oui, la mousse au chocolat, oui, d'accord. Ah ben, ah oui, alors effectivement, oui. Tiens, tu peux sécher les assiettes, s'il te plaît, Loulou? Bien sûr.
Jean, pense à ton régime. Jean, pense à... Jean... Jean, pense à ton rire. Grand cru classé, elle se refuse rien, là. Une bouteille terminée, mariée dans l'année. Ah ouais, mais il faut trouver la mariée. Et ça, c'est pas gagné, tu vois. J'en étais sûre. De mal ou quoi? Je m'en fous des boules, là. Ouais, tu triches sur ton régime. Oui, je triche sur mon régime, je... Qu'est-ce que tu foutais en dessous, là? Tu m'espionnes? Non. Tu m'espionnes? Non. Non? Non. Eh ben, on va aller voir. Non. Ben, non. Non. Bah, c'est... Attends, vraiment, si tu m'espionnes... Qu'est-ce que c'est? Oh! Je triche sur mon régime. Regarde. Bah oui, mais j'ai eu faim, moi aussi. Hein. Ouais. J'ai un petit peu craqué, quoi. Loulou à table. Ouais, j'arrive. Assieds-toi, Loulou. Ouais. Et voilà, c'est prêt. Oh la vache, c'est vachement beau, ouais. T'es content, hein? Attends, je veux, t'as dû mettre un temps fou pour faire ça. Ouais. Oh, vachement bien. Ouais. Super. Tiens. Ouais. Très joli, quoi. Effectivement, j'ai mis du temps. Y'a que ça à bouffer? Bah oui, parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose, en fait. Ouais, parce que c'est joli, mais ça colle pas, quoi.
Hein? Je vais peut-être faire des pâtes. Ouais. Bon, bah, je vais faire chauffer de l'eau alors. Quoi, quoi, bon, hein? Très très bon. Tu t'arraches en cuisine, toi. Hein. Ouais. Tu vas t'épouser, hein. Les pâtes. Dis donc, Lou, regarde. Il est pas mal, ce vaisselier-là, hein. Attends, c'est pas un vaisselier, c'est un paquebot, c'est immense, t'as vu ça? Ça prend la moitié de la cuisine. Bah oui, mais ça rentre ici, là. Non, non, ça rentre pas. Bah, attends, Loulou, regarde, si tu défonces le mur ici et que tu pètes le pilier, ça rentre. Ah oui, bien sûr, ouais. Bah bien sûr. Bien sûr, ouais. Ah oui, et puis on pourrait péter l'entrée en bas aussi. Là, faire un grand hall, hein, puis installer une grosse porte cochère. Puis sur la terrasse, on pourrait mettre une piscine, un solarium. Puis ça serait bien d'acheter aussi l'immeuble qui est en face, faire une petite dépendance, ouais, c'est pas mal ça. Avec un pont qui relie, tu vois. C'est pas con, ça, hein. Pas con. C'est exactement ce à quoi je pensais. Ok, je le note. Je vais faire un devis. Faire. Attends, Alex. Attends. Alors, ouais. Monder au préalable les tomates. Ok. Au préalable, ça veut dire avant. Ça c'est avant, hein? Ça c'est. Mais monder, ça veut dire quoi? Eh ben, monder, c'est quand tu monder. Bon. Des... Et voilà. Ouais. Allez. Ouais, je sais pas en fait. Bon. Ok. Allez, clarifier le beurre. Bah tiens, ça tu le fais. Ok. Tailler les carottes en julienne à l'aide d'une mandoline. C'est quoi une mandoline? Je sais pas. Bon, excusez-moi. Alors, glacer à brun les petits poivrons. Alors, attends, alors à brun, je sais pas ce que c'est, mais glacer, ça devrait pas dire qu'il faudrait mettre dans le freezer, ça? Oui, bonne déduction. Hein, très bien, alors vas-y, okay. Mets-le au freezer. Au freezer. Et à la place du beurre, on mettra de l'huile. Oui, on sera parfait. Voilà. Très bien, ça, hop. Oh, attendez, non, attends, hey. Mettez un pas de carottes. Oh. On s'en lave pour rien. Ouvrez la barquette, mettez les brochets dans une assiette, au four, t'as mon assiette. Régalez-vous. C'est parfait. Ils sont séchés. Vendu. Bien sûr. Parfait. Bah alors. Bravo. Ça va, Loulou? Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu cries pas, hein? Non. J'ai pas préparé le repas ce soir, je sais pas ce que tu voulais, j'ai pas... Ouais, mais c'est pas grave. Ah bon? C'est pareil, le lave-vaisselle, je devais le vider, je l'ai fait parce qu'en fait, il y a Roger qui m'a appelé. Ouais, mais je vais m'en occuper. Et la machine à laver, je sais pas comment la programmer, alors je me suis dit quoi? Oui, mais je vais le faire aussi, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Ben quoi, quoi, t'arrives comme ça, là, t'es tout aimable, je te dis j'ai rien foutu, tu m'engueules pas, ça veut dire quoi ça? Bah non. T'as un amant? Non. T'as un amant? Non, Loulou, non. C'est juste que ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, alors je commence à te connaître un petit peu par cœur, tu vois. Excuse-moi, je vais faire tourner une machine. Chocolat. Tiens, Eduardo, décide enfin, viens me voir. Chérie, je sais, j'ai été très occupé au travail ces derniers temps. Je suis pas venu te consacrer l'attention que tu mérites. La situation est très difficile pour moi aussi, Katia. Tu viens me parler de Cynthia? Quelle Cynthia? Ne mens pas, Eduardo. Je te connais depuis trop longtemps. Tu regardes encore ce feuilleton pourri, là? Chut! Avec qui tu passes tellement de temps à l'hôpital. Non, voyons, tu te trompes, chérie. Est-ce que le docteur Willoughby va enfin épouser la douce infirmière Cynthia? Ou va-t-il rester avec sa femme Katia, qui est très très malade? Tout en sachant que Mario est très amoureux de lui. C'est pitoyable, ça, Alex, tu vois? Eh ben, dis donc. Pour quelqu'un qui déteste ce feuilleton, t'en sais rudement long sur les personnages, hein? Katia, tout est à l'aise. Dis donc. Bah, attends... Oh, chut! Un accident après une réunion de travail un peu prolongée, et puis voilà, c'est arrivé. Mon Dieu, pourquoi les hommes sont si faibles? Je suis désolé, Katia. Je te quitte. Je te quitte, Katia. Oh là là. Bah. Eduardo, tu n'as donc pas de cœur? Je sais, c'est ouais. Il a laissé sa femme. Pars pas, Eduardo. Ça, c'est dur. M'abandonne pas. Quand elle est malade, quand même. Hein. Cela dit, elle en avait pour 2 jours, quoi, tu vois. Bah, tu vas justement. Ouais, ouais, il aurait pu ouais, faire un effort. Ouais, on a fait plus un effort. C'est vrai que c'est pas très, très malin, ça. Faute, Willoughby. Qu'est-ce que t'as à me coller là? Ça va, c'est mon lapé, ça ne changera rien, c'est comme ça de toute façon. Ça ne changera pas? Et ben je suis désolée, tu vas faire des efforts. Je fais tout le temps des efforts, tout le temps. Pourquoi tu fais des efforts? Tu es comme ça, l'égoïste.
suis égoïste. Oui, t'es égoïste. Ah ouais? Oui, t'es égoïste. Okay, tu vois ça? Non, décolle pas. Arrête. Non, ça coûte super cher. S'il te plaît, ça fait partie d'un service. Vraiment, j'y tiens. Loulou. S'il te plaît. Bon, Tiens. Voilà. Non, 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 arrête. Arrête, je n'ai pas d'autre. S'il te plaît, j'ai pas d'autre coupe de fruits. S'il te plaît, laisse-moi celle-là. Bon, la glace, je peux la. Non, hein. Je... Ah. Moi, non, arrête, ça coûte super cher, ça aussi. C'est jamais qui l'a offert, s'il te plaît, pour mon anniversaire. Non. Bon, ça, je peux ça. Oui, ça, voilà. Je m'en fous, vas-y. Moi, je suis égoïste. Ah, oui, t'es égoïste. Oui, t'es qu'un sale égoïste. Je pars. Eh ben, vas-y, barre-toi. Regarde-moi ça, il m'a foutu des traces de doigts partout là-dessus, hein. Oh, non. La toute salée.